Quelques jours, j'ai commandé sur le site de Jeffree Star Cosmetics le lipstick, liquid lipstick Drug Lord, donc le lipstick blanc. Je l'ai commandé il y a peut-être 10 jours, 15 jours, et il vient d'arriver aujourd'hui. Donc j'ai voulu faire une vidéo sur l'unpackaging de ce colis. On adore, voilà. Donc je suis super pressée. Alors à ce qui paraît sur le site, donc je vais vous mettre une photo juste là. Alors à ce qui paraît, ce lipstick peut aller sur tout, donc sur les yeux, sur les lèvres, sur partout sur le visage, partout, partout. Je crois que Kylie Jenner fait ça aussi, mais il y a plein d'autres lipsticks qui ne le font pas. Donc on va ouvrir. Déjà j'ai remarqué, il y a le logo de Jeffree Star sur les étoiles, les machins ici. Donc c'est cool. Alors bon, on va ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec mes petits ciseaux. Alors. The struggle is real. Bon, par contre, ça me saoule. Ça m'énerve un peu. You know what's real? The struggle. Ok. Ah. Bon, alors. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, bon, j'espère que vous avez passé des super bonnes vacances, hein. Moi, personnellement, j'ai travaillé au maïs tout le mois de juillet. Et la première semaine d'août, je suis partie à Berlin, donc c'est plutôt cool. Et sinon, à part ça, rien de spécial, j'ai rien fait de spécial dans ma journée. Alors, bon, ça ne veut pas s'ouvrir. Ça le fait pas. Voilà, j'y suis presque. Oh, ça n'a pas tout arraché. Satisfaction. Alors, donc la boîte se présente comme ça, le colis se présente comme ça. Alors, je crois que j'ai la facture et tout. Les papiers. Il est beau, je trouve. Hein. Et c'est super bien ce maquillage. C'est super bien. Bon, et alors du coup, on a quoi? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Liquid lipstick. Ah, j'ai trop content. Alors bon. Donc, comme vous pouvez voir, marque de Jeffree Star, Drug Lord, donc lipstick blanc. Évidemment. Alors, on va voir ça tout de suite. Oui! Oh, trop bien! Et j'avais vu ça dans plein de vidéos et tout, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas en acheter un? Parce que souvent je fais des drag make-up, je crois que vous pouvez voir ça sur ma photo de profil, et aussi sur mon Instagram, que je vais noter tout de suite là, ici. Et voilà, donc je fais des drag make-up, donc par exemple, l'autre fois ça m'est arrivé de faire un maquillage de lion, genre, vous savez, avec le museau et tout, genre noir et tout, avec les l'eyeliner et tout. Et donc j'étais censée faire une ligne blanche là, mais j'ai pas pu, du coup j'ai utilisé mon anti-cerne de chez NARS, qui est hyper clair pour ma peau, du coup je l'ai utilisé. Donc il se présente comme ça. Ah bah je le fous à l'envers, super. Ah bah il est encore à l'envers. Bon ouais, désolé. Il est vraiment très joli, voilà. Et donc si je vous montre un peu, voilà ce que ça donne. Donc, il est super blanc, trop bien. Et c'est un matte, c'est un liquid lipstick matte. Il est juste canon, il est magnifique. Je vais le tester tout de suite, je vais le tester avec mon petit miroir. Ok, bon, allez go. Oh! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, j'adore. Oh, I feel like American sweetheart now, woohoo! Thank you.
Waouh! J'adore, j'adore, j'adore! Moi, 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 moi. Je pense pas que je mettrai comme lipstick parce que j'ai pas les dents totalement blanches, vous savez, donc ça fait un peu tache. Mais il est super joli. Genre, magnifique, magnifique, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, sans hésiter, j'en rachèterai un autre si jamais il était nul. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix, combien je l'ai payé. Alors je l'ai payé 18 dollars, donc ce qui fait peut-être à peu près 16 et quelques euros, je crois. Et plus combien d'euros, je sais plus, je crois que c'est 7 euros pour la livraison, vous savez, entre les USA et la France. Donc en tout j'en ai pour 25 dollars, donc à peu près 22 euros. J'ai pas un grand budget pour le maquillage, mais pour moi ça en valait clairement la peine parce qu'il est juste magnifique. Je vais essayer de vous faire un petit swap. Il tient beaucoup plus, il est waterproof et en plus de ça, il est mat et vraiment très joli, il donne une couleur vraiment belle et c'est vraiment blanc. C'est vraiment full coverage et j'adore, je regrette en aucun cas d'avoir acheté ça et je suis super contente, voilà. Alors déjà, ce que je pense de Jeffree Star Cosmetics, j'avais déjà entendu parler de ces cosmetics avant, il y a peut-être quelques mois de ça. Parce qu'avant j'étais pas tellement dans le délire maquillage et tout, et du coup j'ai commencé peut-être il y a 10 mois. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert à peu près Jeffree Star. Donc personnellement, je regarde ses vidéos tout le temps, je l'adore, je le trouve super cool. Enfin, il a une personnalité de malade. I love Jeffree Star! Il a une super carrière, des super vidéos YouTube, plein de followers, donc ça c'est cool. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vos pensées. Vos commentaires, tout dans la section commentaires. Oui, Léonas, on adore Théo, merci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous aime très très fort et passez une excellente journée. Mouah.